Bonjour tout le monde. Coucou. Bienvenue, bienvenue. Ça y est. Nous y sommes. Bonjour tout le monde. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vois que vous êtes quelques-unes déjà à être arrivées. Coucou Nathalie, Muriel, Mumu, Sandrine, Isa, Chantal, Martine, Marianne, Véronique. Coucou ma petite Camille. Corinne, Héloïse, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Petit aparté, Corinne, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, votre catalogue arrive très très vite. Bonjour Laurence, comment ça va? Ah, ça y est, on est reparti. Bonjour Émilie, ça va ma belle? Bienvenue tout le monde. J'ai l'impression que le son fonctionne, que vous m'entendez. Que vous me voyez, ça peut être intéressant aussi pour un live créatif, ça peut être pas mal. Coucou Monique. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, oui, ça va Laurence, je te remercie. Ça va, ça va. C'est très gentil, oui, ça va. On est mercredi après-midi, il est 14h. On se retrouve comme chaque semaine pour notre live créatif et c'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver. Pour celles et ceux qui me suivent chaque semaine, eh bien, je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau. Et puis, eh bien, si vous êtes nouveau ou nouvelle, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Comme ça, je pourrai vous saluer. Bonjour Karine, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Coucou Corinne. Oui, bah écoute, si tu reviens, c'est que tu as dû apprécier la première fois. J'en suis ravie. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que ce sera une chose qui sera réitérée du coup. Oui, il fait pas très chaud, Héloïse. C'est vrai, ma belle, t'as raison. Alors, on se retrouve pour ce live créatif aujourd'hui. Nous allons réaliser une mailbox. En fait, c'est ni plus ni moins une petite boîte aux lettres à l'américaine qu'on va nous utiliser pour, par exemple, une petite boîte chocolat qu'on pourra poser sur nos tables de fête, par exemple. Mais des petites astuces aussi, vous allez voir. Merci Corinne. Coucou ma petite Marotine. Oui, ça va. Je te remercie, ma belle. J'espère que toi aussi. Alors, comme vous le savez, avant qu'on démarre, j'ai deux, trois petites infos à vous donner et je vais faire ça tout de suite. Si jamais la vidéo vous plaît, que vous passez un bon moment, n'hésitez pas à la partager sur vos profils, par exemple, sur vos murs ou sur vos groupes préférés. Peut-être que ça pourra intéresser une copine ou un copain, on ne sait jamais. Donc, merci beaucoup. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la page Harmony Scrap pour être informé des prochains lives ou bien sûr à mon blog harmoniescrap.fr ou encore ma chaîne YouTube Harmony Scrap sur laquelle vous retrouverez tous les lives que j'ai faits depuis mes débuts. Ça me fait rire parce que oui, quand je revois mes premiers lives, ça fait un petit peu peur. Mais bon, voilà, hein, on grandit, on mûrit et heureusement on évolue. Merci ma mumu. Alors, quoi de neuf cette semaine? Vous le savez, notre magnifique collection Jardin d'Éden qui est sortie en avant-première, bonjour Isabelle, est toujours là, est toujours disponible. Et vous le savez, je vous ai fait une offre si vous achetiez la collection complète. Cette offre est encore valable jusqu'à lundi prochain, jusqu'au 15 novembre. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir avec cette magnifique collection, n'hésitez pas, c'est encore possible. Mon offre, en fait, elle est simple. Je vous rembourse vos frais de port pour l'achat de la collection complète. Quelques-unes d'entre vous ont déjà cédé à la tentation, donc c'est encore possible. Coucou Nadine, ça va ma belle? Certaines l'ont vu déjà, j'ai proposé pour la première fois le calendrier de l'Avent Stampin' Up. Voilà. Je n'ai proposé que 10 exemplaires, ils sont partis très très vite, il m'en reste un. Il m'en reste un. Vous avez le lien en haut de la vidéo si vous voulez vous inscrire. Attention, il n'y en a qu'un disponible encore. Donc voilà, l'info est passée.
Martine, tu te fais des copines partout, j'adore. Moi, je trouve ça génial. Coucou Gazelle, comment vas-tu, ma belle? Ça, c'est top. La dernière info que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est une info chère à mon cœur. Coucou ma Cathy, plein de gros bisous, ma belle. Bon courage. Stampin' Up, régulièrement, nous fait des méga cadeaux dans l'année. Coucou ma belle Fatou, tu vas bien? Et ce mois-ci, donc depuis le 4 novembre et ce jusqu'au 30 novembre, Stampin' Up vous propose de rejoindre notre grande et belle famille pour une aventure incroyable. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Pour seulement 100 euros. Que dire de plus? Seulement 100 euros. Vous choisissez 175 euros de produits et vous ne payez que 100 euros. Et en plus, vous ne payez pas les frais de port. Coucou Nicole, comment vas-tu? Des échantillons, Héloïse. Des échantillons. Enfin, je vais pas tout dévoiler, hein, mais des échantillons. Fatou, tu vas bien. Bon, ça me fait plaisir. Donc voilà, cette promo, elle ne dure que jusqu'au 30 novembre. Si vous avez envie de vous lancer, si vous avez envie simplement de vous faire plaisir, parce que vous êtes comme nous, qui êtes là à suivre le live. Annie, pour le calendrier, je ne sais plus lequel, je crois que tu parles pas du même, Annie. Mais normalement, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, non, Cathy, je ne vais pas dévoiler le contenu du calendrier de l'avance Stampin' Up. Nathalie, bonjour à toutes. Oui, je viens de recevoir le fameux kit du calendrier de l'Avent. Alors, Nathalie, toi, tu parles du calendrier de l'Avent que j'ai proposé, mais c'est un kit créatif. Là, il est question d'un calendrier de l'Avent, mais avec des produits. Toute la différence est là. Coucou Fabienne, comment vas-tu? Donc voilà, donc cette promo jusqu'au 30 novembre, si vous avez envie de rejoindre ma belle équipe. J'ai une petite équipe qui est juste adorable, chère à mon cœur. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien n'hésitez pas, là c'est un super moment. Faites-vous plaisir, vous avez 20% de réduction sur toutes vos commandes et surtout, 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 vous rentrez dans une, dans une équipe bienveillante, chaleureuse, qui s'entraident, qui s'apprécient aussi. Et donc ça, ça n'a pas de prix. Concrètement, ça n'a pas de prix. Et j'échangerai ça pour rien au monde. Si vous voulez plus d'infos, je fais un zoom, un deuxième zoom vendredi soir à 18h. Vous avez le lien sur ma page Facebook. Si vous ne le trouvez pas, contactez-moi et je vous le donnerai de 18h à 18h30 pour répondre à vos éventuelles questions que vous n'auriez pas encore trouvées sur mon blog HarmonyScrap. .fr devenir démonstratrice. Voilà, je vous ai donné toutes les infos de la semaine. Maintenant, je vais partir donc sur le côté créatif de notre rendez-vous pour cette fameuse mailbox. Et pour cela, hop, je bascule ma caméra et je vous remontre le petit projet. Cette petite boîte que vous voyez là, tiens dans la main. Et encore, on pourra en mettre plusieurs. Elle est toute simple à faire, vous allez voir. Voilà. Elle s'ouvre comme ceci, tout simplement. Ça ressemble à une boîte d'allumettes, hein. On a le côté en fait hyper fun avec cette partie que j'ai appelée tunnel. Je ne savais pas trop comment la nommer. Et dedans, j'y ai glissé un mini Toblerone. Donc vous voyez, le mini Toblerone, quand même, il rentre bien. Vous pouvez mettre un mini Kinder Bueno aussi. C'est ce que j'avais fait sur une autre boîte. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce qui est possible de mettre dedans et de la taille. Voilà. Ici, j'ai réalisé donc cette petite boîte avec la collection Éloquence Simple de la fameuse page 68 et vous l'avez ici à l'écran. J'ai donc fait cette présentation pardon, avec le papier design. À chaque fois, elle vous est présentée en recto verso, donc par deux à chaque fois. Vous voyez, on a des papiers qui sont brillants, vous les apercevez. Lorsque je bouge à la lumière, elle est belle, hein? Elle est vraiment très très belle.
Trois couleurs coordonnées bien sûr, le gris souris, le noir, le très vanille, qui est un blanc un petit peu cassé, qui est vraiment très très classe je trouve. Et donc on le retrouve dans ce fameux papier design. Ici, avec cette collection, nous avons bien sûr cette de tampons, et là, non pas poinçon mais perforatrice. Et c'est des tampons qui sont magnifiques. Je les adore. Ils sont trop, trop classe. On a notamment celui-ci qui est particulièrement détaillé. Il est trop beau. Les textes sont en français, comme vous pouvez le voir. On a une belle frise ici qui fait, pour information, 12 cm de long. Ça peut vous aider pour vos créations de cartes, par exemple. Et puis toujours, les sentiments, les beaux messages en français. Hop. Alors, à nouveau, je ne vois plus vos commentaires. Donc, je vais tout simplement actualiser ça. Hop, hop, hop. Voilà. Oh, ma petite Camille, j'ai vu ta photo. J'adore. Voilà. Ah, coucou ma Fabienne. Bah voilà, j'avais pas les commentaires, je confirme. Qui a mangé plus vite le chocolat que toi? Excellent. Oui, c'est la collection préférée de notre petite Cathy, effectivement. Et on a une perforatrice qui est associée à cette collection. Et voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec cette perforatrice. Donc, c'est juste trop bien. J'ai un sacré décalage avec vos commentaires, mais on va s'en sortir. Pas d'inquiétude. Hop là. Zou, si je fais ça, peut-être que ça ira mieux. Donc voilà, une collection encore très très complète et qui est vraiment trop trop belle. Aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Jardin d'Éden. Et oui, 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 puisque c'est bien joli de vous faire une offre, mais il faut quand même que vous sachiez de quoi on parle, n'est-ce pas? Alors, j'ai un vrai bug, hein. J'ai un vrai vrai bug, les amis, sur mes commentaires. C'est très très agaçant et très frustrant, mais je vais régler ça. Hop, 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 hop. On va encore se moquer de moi avec mes hop. Voilà. On ne me voit pas en direct. Alors, désolée, je regarderai le replay. Je profite du soleil pour aller marcher un peu. Ma petite Rachel, t'as bien raison. Corinne, oui, ça peut faire des petits marque-places aussi, exactement. D'ailleurs, ici, moi, j'ai marqué amitié, mais on peut aussi s'en servir pour mettre des prénoms. Voilà. Alors, hop. Voilà, on va faire ça. Je vous laisse admirer le papier design que je vous ai mis ici pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. On est toujours donc sur du recto verso à chaque fois, des tons de vert qui sont juste magnifiques, avec, vous les aurez reconnus, les Incolor 21-23, donc notamment épinette enivrante et soyeuse succulente. Hop hop, c'est le Père Noël qui dit hop hop hop. Souvenez-vous, l'année dernière, vous m'appeliez Mère Noël, hein. Moi, j'ai pas oublié, hein. Oui, 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 je sais, j'ai des tics, mais ça, voilà, ça fait partie de ma marque de fabrique, qu'est-ce que vous voulez? Bon, trêve de plaisanterie, vous avez vu comme elle est belle cette collection? Elle est magnifique, on a un petit peu de doré aussi qui donne un brillant au papier qui est incroyable. Coucou Laurence! Juste magnifique. Et bien sûr, avec elle, nous avons un set de tampons qui est incroyable aussi, avec des polices d'écriture un peu différentes les unes des autres, donc ça c'est très très sympa. Et bien sûr, des découpes qui sont incroyables. Celles-ci, je les, voyez, je vous les découpais en avance pour que vous ayez une idée un petit peu de à quoi ça ressemble, mais elles sont extraordinaires ces découpes. Oui Véronique, il est beau ce papier, hein. Il est vraiment très beau. Donc voilà. Allez, je vous propose qu'on démarre maintenant la réalisation de notre petite boîte. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai deux choses à vous rappeler concernant cette petite boîte. La première, vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, je vous demande, si vous en avez envie, de
publier votre création à la fin du live dans les commentaires en dessous. Parfois, c'est un peu compliqué pour certaines, mais bon, on s'arrange toujours pour trouver une solution. Donc, vous publiez votre création en commentaire sous le live jusqu'à jeudi soir. Et ensuite, je ferai un tirage au sort pour vous faire gagner une de mes versions de boîte. Soit la boîte de présentation, donc ici, ce sera avec Éloquence Simple, pardon, soit avec la collection que je vais travailler aujourd'hui, c'est-à-dire Jardin d'Éden. Bah, Véronique, peut-être que tu peux carrément la publier sur ton mur, par exemple, et tu me tagues avec le hashtag HarmonyScrap. Peut-être que ça fonctionnera. Donc, je vous invite à publier. Et puis, pourquoi est-ce que je vous demande ça? Tout simplement pour pouvoir inspirer les autres avec le matériel que vous aurez utilisé, les collections, les papiers, les tampons. Voilà. Partagez votre inspiration, vos créations, pour inspirer les autres. C'est ça aussi, le monde du scrap, la famille Stampin' Up, c'est le partage, la bienveillance, les échanges. Donc allez-y, publiez toutes vos créations, qu'on puisse tous et toutes en profiter. Hop, alors j'ai encore ces bugs de. N'hésitez pas à me faire coucou en commentaire. Ah, merci Véronique, c'est gentil. Je suis contente que ça vous plaise. Et la deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à cette petite boîte, c'est que j'ai envie de vous lancer un défi cette fois. Et je vais vous expliquer. Le défi... Merci Mumu. Ouf. Tu me rassures. Il y a des moments où je suis en panique, je me dis « Oh, il n'y a plus personne !» Alors, le défi que je vous lance, exceptionnellement, comme ça, j'y ai pensé ce matin. Cette petite boîte, vous voyez, elle est toute petite. Et vous découvrirez à la fin du live, merci ma Fabienne, je vois plein de petits cœurs qui s'envolent, c'est trop cool. Merci ma Nati, ouais mais sinon j'ai la gorge. Et puis pour rien vous cacher, j'étais chez le dentiste hier et du coup j'ai été anesthésiée, c'était affreux, donc du coup j'ai un peu de mal à parler. Émilie, déconnecte et reconnecte. Alors, oh merci Laurence. Donc... ce petit défi que je vous propose. À la fin du live, chaque semaine, vous le savez, vous retrouvez le replay ainsi que la fiche technique que vous apercevez là sur mon blog harmoniescrap.fr ou sur ma chaîne YouTube. Ok ? Avec dans le lien de la chaîne, à chaque fois, un lien qui vous renvoie sur le blog de l'article en question. Ah bah hier, oui, la bouche de travers, ouais, tu m'étonnes. Puis un peu gonflé aussi. Bouge de travers, un peu hamster. Coucou Émilie. Donc, dans cette fiche technique, vous trouverez à la fin des mesures différentes pour faire des modèles différents, de tailles différentes en fait. Coucou Marie-Paul. Mais avec grand plaisir, j'espère que vous passerez un bon moment. Du brouillard sur la table de travail. Ah, bah là, le brouillard, pff, je ne peux rien y faire, je suis désolée. En XXL, presque en XXL. Donc, le défi, si vous l'acceptez, c'est en fin d'après-midi, allez sur mon blog, harmoniescrap.fr. Si vous êtes déjà abonné au blog ou à ma newsletter, vous recevrez une notification dans votre boîte mail pour dire « Ah, ça y est, l'article est sorti ». Si vous n'êtes pas inscrite, allez-y. D'accord ? À la fin du live, allez vous abonner. Et du coup, je vous invite à télécharger la fiche technique, l'imprimer ou pas, c'est vous qui voyez, et utiliser les mesures que je vous ai proposées en fin de la vidéo, en fin de la fiche technique. Et vous avez une version moyenne et une grande version. Le défi, si vous l'acceptez, c'est de réaliser une de ces deux boîtes en version moyenne ou grande. Vous me l'envoyez et puis je ferai un petit tirage au sort pour vous faire gagner un petit cadeau. Voilà, c'était le petit jeu du jour. Vous me l'envoyez sur ma boîte mail harmoniescrap@harmoniescrap.fr. Vous précisez que c'est le défi du live 82. D'accord ? Et je ferai un tirage au sort. Comme c'est le week-end, etc., je vous laisse tranquillement jusqu'à dimanche pour la faire, puisqu'en plus, moi, en fin de semaine, je vais être en
convention Stampin' Up! Avec On Stage. Donc je vais être un peu moins disponible en fin de semaine, ça commence demain d'ailleurs, j'ai super hâte que ça commence. Et du coup, comme ça, vous aussi, ça vous laisse un petit peu de temps pour la réaliser. Ok? Donc on se retrouvera dimanche pour le tirage au sort, pour voir celles et ceux qui auront accepté de relever le défi. Ça marche? Une bonne idée pour les plus gourmands. Exactement, Annie, t'as tout compris. Ah, j'ai plein de missions qui sont acceptées. C'est génial. On va faire les boîtes d'Alton. Oui, exactement. Petite, moyenne, grande. Exactement. Vous aurez toutes les mesures sur la fiche technique. Elles sont déjà prêtes ici. Mais je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Et oui, on stage. Héloïse, je propose un défi. Récupérez la fiche technique en fin d'après-midi sur mon blog. Recherchez les mesures de la moyenne et de la grande boîte et de me l'envoyer par mail pour que je fasse un tirage au sort dimanche pour vous faire gagner un petit cadeau. Ok? Oui, et puis alors Gazelle, je suis sûre que tu vas réussir à trouver les chocolats à mettre dedans, t'inquiète. J'en suis certaine. Avec tout le panel qui est sorti là dans les magasins, je suis sûre que tu vas réussir à trouver quelque chose. C'est certain. Allez, on va commencer. Vous allez voir, elle est hyper facile à faire en plus cette petite boîte. C'est vraiment que du bonheur et même les enfants pourront la réaliser. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, d'abord bienvenue et nous réalisons aujourd'hui une petite mailbox qui sera idéale pour vos tables de fête en marque-place, en petits cadeaux chocolat. Voilà. Voilà ce qu'on va réaliser. Je reste sur le petit modèle aujourd'hui parce que je n'allais pas vous faciliter les choses en partant sur du plus grand. Du plus petit au plus grand pour la gourmandise. Muriel, t'as tout compris. Non, non, je n'aime pas du tout le chocolat. Alors non, j'aime pas le chocolat blanc comme celui-là. Moi, je serais plutôt lait et praliné. Allez, on démarre avec ces petites bêtises que je sors. Là, je vous avoue que le chocolat, ça me dit rien là, tout de suite. Je prends mon coupe-papier. Je vais prendre également mon matériel. Je vais vous afficher tout de suite... S'il n'y a pas de bug aujourd'hui, mais je ne crois pas, oui, vous avez en bas ici les mesures du papier dont vous avez besoin pour réaliser cette petite carte. Boîte, vous aurez compris. J'ai un gros décalage par rapport à quand je parle et ce que vous avez à l'image, mais on va y arriver. Nathalie, toi, t'es plutôt chocolat noir. Ah! Nati, chocolat blanc. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Et vous, les autres, alors? Chocolat noir, chocolat blanc, praliné? Dites-moi. Mumu, noir aussi. Je vais essayer de me souvenir. J'arriverai pas à me souvenir de tout le monde. Hein, mais je vais essayer pour les prochains colis. C'est ton dentiste qui va pas aimer. Ah ouais, non, mais alors, le dentiste, c'est la première fois de ma vie que j'ai un souci avec mes dents. Et ça a été très compliqué pour moi. Chantal, noir aussi. Alors, Nati, blanc et café, waouh, noir, il y a beaucoup de noir, incroyable. Blanc et praliné pour Gazelle, noir et lait pour Marotine, lait ou praliné pour Laurence. Laurence, on va bien s'entendre. Pas de chocolat, oh la menteuse, Fabienne. Tous les chocolats, mais plus le blanc. Mumu, très noir. Bon, alors on a pour tous les goûts. Hein. Lait, noisette, oui, parfait. Camille, praliné. Ça, c'est mon préféré. Je ne vais pas citer les marques, mais il y en a deux, trois. Si, il y a un chocolat que j'aime par-dessus tout, qui n'existe qu'à la période de Noël. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer les marques, mais c'est pas grave. Ce sont les escargots Lanvin au praliné. Alors là, c'est une fois par an. Ils n'existent pas autrement. Mais alors, tous les ans, c'est un bonheur pour moi. Ça, c'est vraiment mon péché mignon de l'année. Voilà. Allez, on arrête les bêtises, on y va, on attaque cette petite boîte parce que le chocolat, c'était pas le thème du jour. Je rappelle que vous avez les mesures ici en bas. J'espère que c'est assez grand, mais je vous ai aussi noté ça sur mes petits post-it. Alors, hop, je vais essayer de descendre ma lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Ma maman est fan aussi des escargots Lanvin. Ben, tu m'étonnes, c'est une tuerie. Demain, une benne arrivera. Laurence, tu les connais aussi? Ouais, comme quoi, hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Allez, on y va, c'est parti. On va démarrer, hop, et on va attaquer tout de suite
la petite boîte, donc celle-ci qui nous sert de contenant pour le chocolat. Oh, les chocolats avec de l'alcool, Véronique, je crois que c'est ceux que je déteste le plus. Oh, les Mon Chéri. Ouais, il y en a plein qui sont fans des Mon Chéri, hein. Camille, tu les connais, les Lanvin, hein? J'en étais sûre. Que pendant les lives pour me restreindre un peu. Oh bah ça va si tu manges du chocolat 2 fois par semaine. Ça dépend si tu tapes une tablette à chaque fois ou pas, Nathian. Allez, on arrête les bêtises parce que je vais jamais y arriver. Cette petite boîte, elle est super rapide, mais on va mettre comme si c'était un album. Karine, Corinne, tu adores les Mon Chéri aussi. Oui, je sais qu'il y en a qui sont super fans des Mon Chéri. Allez, on attaque. Je commence avec un morceau de papier uni pour faire ma petite boîte. Et ce papier mesure 9 par 7 cm. Maretine, tu as vu? Je me suis souvenue de ta demande et voilà. Ça te va? Je suis sûre que tu vas m'aimer aujourd'hui. 9 par 7 pour cette petite boîte. Alors là, vous allez voir, c'est méga simple. On y va? Juste ce qu'il faut pour tenir mon jean. J'adore. Cette petite feuille de papier de 9 par 7, nous allons simplement venir faire des plis à 2 cm sur les 4 côtés. Pour vous aider, hop, regardez, je vous affiche le schéma à l'écran. Donc, tout simplement 2 cm sur les 4 côtés. Hop. C'est parti, ça a fait une toute petite boîte, hein. C'est normal. Il y avait longtemps. Ça, c'est mon petit livreur, Stampin' Up, UPS. Et avec son petit nom, c'est Dimitri. Il est gentil! C'est un amour, ce garçon. Alors, pour les binoclards, comme moi, noir sur jaune, c'est top. Bon, eh ben écoute, c'est parfait. Attendez, je vous enlève hop, ça, parce que du coup, c'est bon. Donc, on a fait les plis hop, à 2 cm sur les 4 côtés. Ça marche? Ok, je vais marquer mes plis et puis je ferai les coupes après. Donc, pas de souci, c'est assez facile. Dans un second temps, nous allons faire ce que je vous ai appelé l'entourage. L'entourage. Alors, l'entourage, c'est un morceau de papier de 12 par 5 cm. Cet entourage, en fait, donc là, on vient de préparer notre petite boîte. Ok. L'entourage, c'est le papier blanc ici, dans lequel nous allons rentrer notre petite boîte. D'accord? L'arrondi ici, je l'ai appelé le tunnel. D'accord? Voilà. Donc le tunnel, ça sera le papier design. Et l'entourage, donc c'est le papier uni qui accueille en fait, hop, notre petite boîte. Ok? Pour ce morceau de papier, donc de 12 par 5 cm, hop, je remets ça là, 12 par 5 cm. Je vais juste vérifier, hop, quelque chose ne bougeait pas. Je voudrais agrandir ça. Est-ce que du coup... Oui, c'est ça ma routine, exactement. C'est en fait une boîte aux lettres américaine, mais qu'on transforme en marque-place ou en boîte de chocolat. Exactement. Donc cet entourage, on va lui faire des plis, mais uniquement sur le bord long. Ok? Alors, hop, voilà. Je positionne mon papier ici et je viens marquer des plis. Hop, je vérifie mes mesures pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, le premier pli, attention, à 2 cm. Le premier pli à 2 cm. Le deuxième pli. Non, Karine, puisqu'elles ne sont pas faites. J'ai juste prévu les mesures, ma belle. Deuxième pli à 5,2.
premier pli à 2 cm, deuxième pli à 5,2, troisième pli à 7,2, deux centimètres, 5,2, 7,2, et pour finir à 10,4. Ok, donc je répète, nous sommes sur l'entourage de papier qui mesure 12 par 5 et nous venons faire 4 plis sur le bord long à 2 cm, 5,2, 7,2 et 10,4. Merci ma Mumu, elle vous a mis bien sûr les mesures de plis dans les commentaires. J'avais pas la phrase dans le bon ordre. On est d'accord, hein ? Il n'y a rien de compliqué dans tout ça, même si vous êtes débutante. Ça marche ? Donc là, du coup, coucou Christine, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue ! Je ne sais pas si tu as vu, aujourd'hui on réalise une petite mailbox qui peut servir de marque-place ou de petite boîte de chocolat. Voilà, voilà. Ok, donc après on va venir marquer les plis, hop, pas de souci. Pour la suite du matériel, je vais vous donner les mesures, mais a priori, vous avez déjà tout préparé. Il nous faut un morceau de papier design qui mesure 9 par 5 et qui va donc nous servir à faire la partie tunnel ici de notre mailbox. Ok ? Il vous faudra aussi deux autres morceaux de papier qui sont tout petits pour décorer ici et là notre petite boîte. D'accord ? Merci Christine, c'est gentil. Qui mesure 2,8 par 1,8. D'accord ? Donc je rappelle que le DSP, c'est du papier imprimé. Ok ? Et vous avez aussi sur le côté, là, vous avez les mesures de tous les papiers. Donc, hop, mes petits morceaux de papier design pour ma boîte sont ici. Voilà, est-ce que ça vous aide si je laisse ça là ? Peut-être, hein ? Ok, le papier design pour la partie tunnel ici. On a à peu près tout. Je me suis préparé ma petite bannière ici, donc, que je vais mettre là. Donc là, j'ai pris du super papier doré qui est juste magnifique. C'est un tout petit bout, hein, vous avez vu, forcément. Coucou Evelyne, qui mesure à peu près 6 par 0,5 cm. Ok ? Et puis après, j'ai envie de vous dire, libre à vous pour la déco. J'ai préparé ma petite étiquette ici. Voilà, que j'ai tamponné en soyeuse succulente, bien sûr, coordonnée à la collection, avec ce sentiment-là, pas besoin d'une occasion pour fêter. Hop ! Et j'ai bien sûr utilisé les embellissements coordonnés, qui sont trop beaux, vous avez vu ? Ils sont juste trop beaux. J'adore. Voilà, voilà. On a tout maintenant. Ça y est, on va pouvoir faire le montage de tout ça. Et puis, ça sera terminé. Alors, je prends mon plioir. Je viens marquer tous mes plis comme d'habitude. Donc là, je suis sur l'entourage de ma petite boîte. Vous avez vu, c'est super simple, hein. Les embellissements, ouais, ils sont trop beaux, Mumu, je suis d'accord avec toi. Ils sont vraiment superbes. Je vais les remettre là en attendant. Hop, voilà. Donc là, ce petit entourage, vous allez voir, on va juste venir coller ici. D'accord ? Je vous conseille d'attendre un petit peu avant de coller. On va faire la boîte, d'accord ? Et puis, on viendra coller une fois qu'on aura préparé notre tiroir. Tout simplement parce que si on le ferme vraiment trop serré, on risque d'avoir du mal à bouger le petit tiroir à l'intérieur. D'accord ? Donc, on marque les plis tranquilles, on va monter notre boîte et ensuite on viendra coller notre entourage. D'accord ? Mais vraiment, c'est super simple.
Je mets ça de côté. Pouf, je viens marquer les plis de ma petite boîte sur lesquels on va créer des petites languettes, vous avez l'habitude. Il nous suffira simplement de venir assembler tout ceci. Donc, je prends mes ciseaux et on va créer ces petites languettes ici. Donc, je vais couper. Voilà, on vient de désolidariser. Je coupe en biais pour que ce soit plus propre et plus joli. Voilà, vous avez l'habitude hein, de ces petites boîtes-là. Hop, je viens couper, pouf, biseauter des deux côtés. Alors là, je vais recouper un peu parce que du coup, ça va pas être joli ce que j'ai fait. Voilà, je retourne complètement mon petit papier et je fais pareil. Je coupe ici. Je coupe en biais ici aussi. Hop, voilà. En biais ici, et voilà. Du coup, on va pouvoir monter notre mini boîte. Alors, si vous avez envie, alors là, ça dépend vraiment de votre façon de travailler. J'aime bien, moi, poser mon papier design avant de monter ma boîte. Pour moi, c'est plus facile de faire dans ce sens-là. Maintenant, si vous préférez d'abord coller vos languettes, monter votre boîte et ensuite poser votre papier design, vous faites exactement comme vous le souhaitez. Ok? Donc, je prends mes petits morceaux de 2,8 par 1,8. Voilà. Que je vais venir coller sur mes côtés de la boîte. Hop. Alors, j'utilise le sans pincil. J'ai décidé de m'y remettre à celui-ci. Si vous avez du mal à l'utiliser, prenez votre... j'ai oublié, non, votre tapis en silicone. Vous engagez le rouleau et ensuite, vous pourrez coller. Il faut juste l'aider un petit peu. Et avec le tapis de silicone, ça va tout seul. Je viens coller ça. Voilà. Mon deuxième petit bout, je vous rappelle, c'est les DSP boîtes 2,8 par 1,8. Hop. Je ne vous ai pas demandé, mais je ne pense pas aller trop vite. N'hésitez pas à me dire. Voilà, mon deuxième petit bout de papier. Ceci étant dit, quand on a des chutes de papier, hein, là, vous avez vu, on peut se faire plaisir. Hein, parce que question papier design, ça va. Ok, et maintenant, je vais pouvoir... Hop, monter ma petite boîte. Donc, je viens poser de la colle ou du double face, peu importe. Voilà. Hop, et je viens rentrer mes petites languettes à l'intérieur. On aligne bien tout ça. Voilà. Bon, vous avez vu, c'est facile à faire. Hein. Ça va tout le monde? Vous arrivez à gérer? Dis donc, Camille, ton loulou, il scrape avec toi ou juste il regarde? Coucou à lui. Hop, voilà. On a notre mini boîte qui est faite. Vous allez voir, hop. Je vais intervertir avec l'autre. Hop, hop, hop. Et mon petit Toblerone. Voilà, rentre dedans, nickel. Ok? Donc, maintenant, je vous le disais, voilà, mon entourage, je vais le mettre ici. Donc, vous voyez, là, si je veux que ça rentre bien, voilà, c'est mieux d'avoir regardé avant, voilà, pour être sûr de ne pas trop serrer, et donc de ne pas emmener celui-là vraiment au bout. On laisse, on va dire, 2 mm pour le coller. D'accord? Je lui ai dit que je refaisais avec lui après. Il commande tout. Du coup, j'entends plus rien. Ma pauvre bichette. Je vois que tu sais pas quoi en faire de ce chocolat. Laisse, je vais le manger. Bah oui, si je pouvais, je te l'enverrais, ma biche. Allez, je vais mettre hop, de la colle ici. Voilà. Donc, je vais pas jusqu'au bout, hein, on a dit. Hop.
Je vais rentrer ma petite boîte à l'intérieur. Lance, j'attrape. C'est là que j'aimerais bien me transformer, genre en Joséphine ange gardien. La téléportation, moi j'aimerais bien, hein. Franchement. Voilà. Hé, hey, coucou crapouillot, ça va? Gros gros bisous à toi. Voilà. Du coup, là, j'ai pas de soucis quant à l'entrée et la sortie de ma petite boîte. Ok? Alors, maintenant, je prends mon papier design. Ah, coucou. Oh, mais Karine, t'es trop gentille. A plus, bon scrap à tous et toutes. J'envoie ma fille à son atelier de dessin. Tu expliques toujours aussi bien. Un vrai bonheur, gros bisous. Plein de gros bisous à toi, Karine, aussi. Merci beaucoup. Je prends mon papier design, je prends mon plioir. Et en fait, je vais tranquillement le passer comme ça pour lui donner un arrondi joli. Vous pouvez aussi le faire avec les doigts, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec le plioir. Voilà, on l'aide tranquillement à prendre la forme arrondie, que ce soit le plus égal possible. Voilà, hop. Voilà, voilà, comme ça, on l'aide, vous avez vu, tranquillement, il prend les choses. En fait, on joue avec les fibres du papier. On pense très très fort à toi, crapouillot, bon courage. Gros bisous. Et voilà. Ok? Une fois que ça c'est fait, eh bien, tout simplement, on va venir coller, donc en bas de notre papier design, ici et là, pour venir le coller sur les côtés de notre entourage de petites boîtes. C'est pas plus compliqué que ça. C'est fun quand même. On est d'accord. Donc là, bah, je vais venir prendre, mettre un morceau ici, juste au bord. Voilà. J'en ai bien partout. Oui, c'est bon. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et du coup, on va pouvoir venir le coller ici. Donc là, je le positionne le plus droit possible au bord. Voilà. Tac. Et je fais pareil de l'autre côté. Zou. Et voilà. Et voilà, et voilà. Notre petite boîte, elle est quasiment finie, vous avez vu? Comme c'est simple. En os de tibia, d'un voisin pénible. Nati, t'es complètement barjo. Toi aussi, tu as un plioir en os de tibia d'un voisin pénible. Non mais je te jure, t'as des idées, toi. Voilà. Ça, c'est presque fini. Du coup, je vous disais tout à l'heure, la petite partie bannière, hop là, elle est là. Je vais venir la coller. Alors là, on la met où on veut, en plein milieu, sur un côté, pas d'importance, d'accord? On va venir la coller au bord de notre papier ici, voilà. Donc on fait attention de ne pas mettre de la colle partout, ça ne sert à rien, ok? Et ensuite, on va mettre notre petit sentiment, ok? Donc là, hop, c'est parti, je viens lui mettre un petit peu de colle juste au bout, ça suffit, voilà. Si vous avez envie de faire une bande de papier plus grande, vous pouvez, hein, vous êtes libre. Je vous donne des mesures de base, mais après, vous adaptez. Moi, j'ai pris les pattes de mon gars pour faire un plioir. Il a les os solides, c'est pratique. Elle est folle. Elle est folle. Comment veux-tu que je reste sérieuse, là? C'est pas possible, hein. Je prends ma petite étiquette donc que j'avais préparée pour décorer un petit peu le bas de ma boîte. Je vais venir le mettre ici tout simplement. Alors, je prends mes mini dimensionnales. Hop, puisque mon étiquette est quand même toute petite. T'étais vraiment trop sérieuse. Bah ouais, t'as raison. Bien sûr. Je suis trop sérieuse, alors tu me racontes des horreurs pour que je sois moins sérieuse. D'accord, je vois le genre. Oh, je vous jure. Hop.
À mon avis, lui, il va pas trop coller, mais bon, ça va le faire quand même. Voilà. Espèce de chipie. Et je viens le coller. Sur ma petite boîte. Voilà. Ça soigne les dents. Je te jure. Je te jure. Et pour cette boîte-là, en fait... Ah, de rigoler, ça me soigne les dents. Ouais, t'as raison. D'ailleurs, je vais boire un coup parce que ça me donne soif, tout ça. Ici, j'avais mis donc... Amitié. Vous pouvez mettre... je mets pas de ruban. Non, je mets pas de ruban, il n'y a pas besoin, ça tient tout seul, là. En fait, tu vois, mon papier, il tient nickel, il n'y a pas besoin de faire tenir la boîte avec du ruban. Après, si tu veux en mettre en déco, il n'y a pas de souci, mais là, il n'y a pas besoin. Non, non, puisque c'est collé, là, sur le côté, donc aucun souci. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez donc mettre comme un petit panneau avec le nom de la personne, d'accord? Là, aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu, et du coup, je vais remplacer ce petit panneau par une des découpes donc de la collection que j'ai découpée dans une chute de papier design, ok, qui est là. J'ai pris celui-là, j'avais une chute dans le papier, donc du coup j'ai découpé ça. Je vais essayer de vous le mettre un peu plus près. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Voilà, je décale un peu. Yes, c'est pas mal. Voilà, une belle découpe dans le papier design avec un die. Et en fait, je vais venir le mettre ici. Juste ici. Ça va être super joli. Là, par contre, je vais prendre ma colle de précision. Bah ouais, c'est tout bête. Hop, je vais pas en mettre partout parce que du coup, ma petite bande fait quand même que 0,5 centimètres. Ouais, c'est tout bête, mais j'adore. Du coup, c'est un petit projet qui est hyper facile, hyper accessible. Hop. Et c'est l'idéal, franchement, à l'approche des fêtes. Parce que du coup, on a toujours 15 milliards d'idées en tête. Et puis, on a le temps d'en faire genre quoi, la moitié? Hop. Allez, sois gentil. Tiens-toi là. Non, elle veut pas. Alors, on va faire autrement. Voilà, on va mettre là-dessus. Je vois pas du tout ce que je fais. Si, c'est bon. J'ai dû me tromper quelque part. Ma boîte est plus petite en longueur. Ah, bah écoute, il faudra que tu reprennes les mesures, Muriel. Plus petite en longueur. Il y a peut-être une petite erreur dans tes coupes ou dans tes plis, peut-être. Coucou Maryse, merci beaucoup, c'est gentil. Ticia, oui, je sais que tu es en formation, mais tu me manques, ma belle. Hein. Mets un clou, sinon. Ça y est, non mais, vous le savez, hein, souvent, je me bats, c'est comme avec les aimants, mais je gagne toujours. Je me laisse pas faire comme ça. Voilà, alors je vais remettre ça quand même. Tranquillement, voilà. Et voilà, on a donc maintenant les deux petites versions. Je vais faire un peu de place sur ce bazar là. Et voilà, on a la version éloquence simple et la version jardin d'Éden. Voilà, voilà pour ces deux petites boîtes super mignonnes. Alors, je vais essayer de vous les approcher pour que vous les voyez un petit peu mieux. Ça me paraît pas mal. Hein, j'essaye de zoomer, mais pas trop. Hop. J'arrive pas à viser. C'est pas simple. Voilà. Donc voilà pour ces deux petites versions de boîte, de mailbox en fait. Traduction, boîte à lettres américaine. Coucou Dominique, c'est très joli. Alors, merci beaucoup, c'est adorable. Alors, hop, je vais revenir vers vous quand même. Alors, ça vous a plu? Vous les avez aimées, ces petites mailbox?
Alors Maryse, oui, bien sûr, les mesures seront en replay sans aucun problème. En fait, Maryse, à chacun de mes lives, il faut aller sur mon blog harmoniescrap.fr ou sur ma chaîne YouTube. Il y a le replay vidéo, il y a la fiche technique avec toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du projet. Vous avez même des schémas, des photos. Et vous avez aussi sur le blog la liste des produits Stampin' Up que j'ai utilisés pour les réaliser. Ok? Donc vous aurez tout sous la main. Waouh, elles sont magnifiques. Merci Laurence. Super jolie Isabelle. Merci, c'est adorable. Donc n'oubliez pas le défi que je viens de vous lancer. Vous avez jusqu'à dimanche pour récupérer la fiche technique, récupérer les mesures pour une boîte moyenne ou grande. De m'envoyer une de vos versions par mail harmoniescrap@harmoniescrap.fr. Merci Marie-Paul, très chouette et facile à faire. Mais oui, carrément. Trop mignon, j'adore, merci pour. Je t'en prie, fais tout avec plaisir. Et du coup, je ferai un tirage au sort dimanche pour vous faire gagner un petit cadeau. Voilà, donc abonnez-vous au blog, à la newsletter, téléchargez la fiche technique et puis voilà, lancez-vous dans le défi. Ça marche? Merci Gazelle, merci Isa. Merci Christine, c'est adorable. C'est vraiment super. Et puis bah, n'oubliez pas toutes les infos que je vous ai données au début. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, c'est le super moment là. Pour 100 euros, vous choisissez 175 euros de produits. Vous n'en payez que 100, vous ne payez pas les frais de port. Vous rejoignez une équipe extraordinaire pour vivre une aventure incroyable. Allez, rejoignez-moi, ça me fera super plaisir. Vous allez voir, c'est vraiment le top. Oui, Laurence, quand tu veux, il n'y a pas de souci. Héloïse, pas de problème, pas tout à fait pareil, mais je veux voir. Et puis, n'oubliez pas non plus de poster votre création en dessous des commentaires, en dessous du live en commentaire, pardon. Je ferai jusqu'à jeudi soir, je ferai un tirage au sort pour vous envoyer une des deux versions de boîte, la première ou la deuxième, vous verrez. Ah, Corinne, je suis contente que ça vous plaise en tout cas. Pour la fiche technique, n'oubliez pas, il faut que j'aie le temps de télécharger la vidéo pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc, allez, on va se dire maximum dans 1 heure. Normalement, vous devriez avoir accès à la fiche technique. Je préfère dire large au cas où j'ai un souci dans le chargement. Mais pas de panique. De toute façon, si vous êtes déjà abonné au blog ou à la newsletter, vous allez recevoir une notification systématiquement par mail pour dire: Ah, ça y est, Harmonie a publié un article ou de nouvelles infos. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Comme ça, ben voilà, on pourra aussi communiquer ensemble. Oui, je laisse le chocolat dans la boîte, Mumu, pour celle qui la gagne. Mais ça sera la petite version, attention. Voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. En tout cas, vous m'avez encore fait beaucoup de bien. J'ai démarré où j'étais un petit peu, voilà, flagada. Et comme à chaque fois, grâce à vous, vous me reboostez, vous me relancez, et c'est juste extraordinaire. Coucou Zazabelle, je suis désolée, on arrive à la fin, mais il faudra regarder le replay avec grand plaisir. Il est dispo sur la page tout de suite, la vidéo, et puis il reste après sur le blog d'ici maximum 1 heure. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau live. Je vous proposerai encore un projet méga simple que vous pourrez, si vous voulez, réaliser avec vos enfants. J'ai envie en ce moment de vous proposer des petits projets simples, festifs, qui peuvent vous être utiles pour vos futures tables, etc. Déco et j'en passe, déco de sapin, déco de table, petits cadeaux. Enfin bon voilà, des petits projets super simples, trop jolis, pas prise de tête. Et puis pour certains, réalisables aussi avec vos loulous. Donc du coup, voilà, c'est à peu près ce qu'on va faire là dans les prochaines semaines. La semaine prochaine sera un projet encore plus simple que celui-là, vous allez voir, mais qui donne un effet super sympa. Il sera publié samedi à 11h comme chaque semaine, d'accord? Sur la page Facebook, sur le blog, sur la newsletter, pas de souci. Vous aurez tout. Et puis, voilà, je vais préparer tout ça puisque demain, jeudi, vendredi et samedi, c'est on stage. Donc, pour découvrir plein plein de nouvelles choses chez Stampin' Up. Voilà, si vous avez envie de nous rejoindre et de vivre tout ça aussi, n'hésitez pas, venez participer au Zoom de vendredi soir à 18h pour avoir des infos.
Et puis d'ici là, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Je vous embrasse très très fort, j'attends avec impatience vos inspirations et vos créations. Et puis je vous dis prenez soin de vous, bel après-midi et à très très vite. Ciao, ciao tout le monde!